de diviser le monde entre masculin et féminin, c'était dans les années 70 normal. Peut-être pas chez vous, ici en Espagne c'était une autre situation, mais en Suisse et puis en Allemagne et en France, on parlait toujours politiquement après 68 de la division entre hommes et femmes. C'est ça la simplicité des performances des années 70 où des gens comme Jochen Gertz, Ulrike Rosenbach, Wally Export et comme ça, ils faisaient des performances, c'est-à-dire on se mettait dans la situation, on faisait et puis on sortait de nouveau. Et ce qui m'a gênée, moi, c'est comme je sais beaucoup sur la peinture, sur l'art et comme ça, il n'y a pas de problème. Je trouve super tout. Je trouve Picasso super, je trouve Manet super, je trouve tout super. Goya, top, je trouve tout super. Mais c'est tous des hommes. Et seulement maintenant, je dirais, j'ai commencé avec les dessins. Le dessin, c'est quelque chose qui dans l'art, est l'esquisse. Ça, je ne voulais pas. Je voulais todo igual. Du tout petit jusqu'au tout grand, je voulais que le dessin soit la même chose. Et les grands dessins que vous voyez plus tard sont faits par terre, c'est la même chose, c'est performance des années 70. J'avais une heure, par exemple, les grands dessins, ils ont une heure, même pas. J'entre dans le dessin qui est par terre et je retourne et c'est fini. Ce que je suis sûr, c'est que ce dessin est presque plus important que ça. C'est là qu'elle s'est suicidée. Et c'est ça le contenu de cette part de ma sœur. Et naturellement, ce rouge, ça, c'est si y a un membre de ta famille qui se suicide, c'est dur. Alors, on pense sur ça, on peint sur ça, on dessine, on fait les dessins sur ça. Ça, c'était Sarajevo. Et pour moi, c'était le nouveau monde qui avait commencé, globalisation et tout ça. Il n'y avait plus le mur, il n'y avait plus la guerre froide. Et c'était très vite, je dois dire, la première guerre en Europe, avec des camps de concentration. C'était vraiment la catastrophe, à mon avis. Alors on voyait des réfugiés qui se réfugiaient avec leurs petites valises et leurs petites cars où ils avaient leurs trucs dessus et ils devaient se réfugier. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient par malchance de la fausse religion, de la fausse... Je ne veux pas savoir qui ils étaient. Parce que je trouve ça absolument ahurissant que, après la Deuxième Guerre mondiale, après les nazis, ça recommence. Et là, ça recommençait. Non, ce que je trouve important dans ces travaux de Sarajevo, c'est qu'on voit, ah, ça pourrait être moi. Et peut-être il y a des gens dans le public qui voient ça. Surtout dans la situation d'aujourd'hui, avec la Méditerranée et les grands mouvements d'émigration. Ça pourrait être nous aussi. Même si on est dans des démocraties, ça peut se passer, hein, historiquement. Et ça, c'est le point qui m'intéresse, d'installer d'une façon que les gens peuvent voir peut-être, réfléchir sur ce point. Il y a les gens qui doivent fuir. Ces gens sont... Il y a des musulmans entre, pas toujours, mais il y en a. Ils doivent courir. Et puis, le plus grave, c'est la mer Méditerranée où les gens se noient. Pourquoi ils se noient? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer en Europe. On leur interdit d'entrer en Europe. Et ça ne marche pas du tout, à mon avis. Parce que nous disons toujours les droits de l'homme et tout ce truc-là, chacun a le même droit sur la loi, mais ces gens, pas. Ils ne doivent pas entrer en Europe. Cette idée qu'on doit fermer l'Europe parce qu'il y aura trop de gens ou je ne sais pas quoi. Et ça ne marche pas du tout. Là, je suis complètement contre. C'est pour ça que j'ai des peintures comme ça. Ce n'est pas les seules, il y en a aussi celles-là et comme ça. Et je trouve que pour mon art, c'est très important de penser, ça pourrait être moi. Ça, c'est le centre de tous les travaux de Sarajevo. Pourquoi ? À cause de cette femme.
Cette femme, c'est réalisme d'après une petite photo. Elle fait comme ça, comme les femmes qui pleurent d'après Picasso pour Guernica. Ici, vous êtes dans une room installation, ça veut dire le tout est une œuvre. Là, c'est le World Trade Center. Ça, c'est très drôle avec les gens quand ils viennent voir ici, aujourd'hui, 2019, est égal. Ça a complètement changé de connexion. World Trade Center, tout le monde vient ici, pense à 9-11. Mais ça, c'est fait dans les années 80. Et c'était un signe pour beaucoup d'artistes, seulement pour dire, parce que c'est intéressant ça. Ah oui. C'était un signe, le World Trade Center était un signe pour beaucoup d'artistes dans les années 80, pour un capitalisme surmonté ou hystérique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on l'utilisait. Ça change complètement le signe World Trade Center. Et ça, je trouve intéressant. Et ici, de toute façon, il y a beaucoup de guerres, naturellement. Mais c'est naturellement une avec l'autre salle qui a les bombes atomiques. C'est naturellement, ici, je dis Cold War. Bombe atomique, capitalisme, Cold War. Et Picasso, moi, ce que j'aime à Guernica, c'est très direct. En principe, c'est pas compliqué, son œuvre autour de Guernica, parce qu'il était complètement triste à cause de du bombardement qui a été fait par les nazis et les Espagnols nazis. Oui, et puis ce que je trouve très intéressant, que Picasso a montré des femmes qui pleurent. Ça ne se voit pas tellement dans l'art. On voit peut-être Maria Magdalena ou Maria qui pleure quand elle a le Christ qui est venu. Ça, c'est traditionnellement, on montre dans l'art, mais sans ça, pas. Et nous, les femmes artistes, on a beaucoup à faire sur ce point-là. Mais Picasso, il a déjà fait beaucoup dans ça, avec Guernica. Surtout avec ces femmes comme ça, avec les mantillas et tout ça. Mais quand même, c'est direct. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup Picasso. Il est très direct. Quand il y a un animal, il peint l'animal. Quand il y a les enfants qui jouent dans son atelier, il colle les jouets dans les sculptures et tout ça. C'est très direct. Vous savez, c'est bien plus simple de ne pas parler d'iconographie, de ne pas parler de je ne sais quoi. Mais de voir comment ça fonctionne dans la nature, comment ça fonctionne chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, et comme ça. On est comme un animal, une part de nous, et nous sommes des animaux. Mais c'est là que ça devient intéressant. Nous pouvons peindre, nous pouvons faire de l'art, alors on voit qu'on vient du même.